Donc, la pré-production a commencé depuis un peu plus de 2 semaines. On est dans la 3e semaine. Ça va super bien. Ça va vite. Aujourd'hui, on est là pour voir comment c'est un centre de parachutisme. Voir un peu c'est quoi la vie, pour m'imprégner de toutes les petites actions, comment ça se passe. Il n'y a jamais de films qui ont été faits au Québec sur le parachutisme, mais même dans le monde, il n'y en a pas énormément. Et c'est très technique, donc c'est un super défi pour moi. Puis toute l'équipe me le fait un peu sentir que c'est un super baptême pour un premier film. OK, alors mon nom est Claude Veillet, je suis producteur pour Les pieds dans le vide. On travaille avec une jeune réalisatrice qui est Marie Wolfe. C'est son premier long métrage. Je veux qu'on s'assure qu'elle est bien, qu'elle est mise en confiance. J'ai beaucoup de peur, honnêtement, entre vous et moi. Mais j'ai entièrement confiance en son talent, en sa vision, en son intelligence et en ce qu'elle va faire de ce film-là, c'est-à-dire le mieux qu'elle peut, et ce qu'elle peut, c'est beaucoup. Tu t'en viens de sauter en parachute? Oui, moi-même. Première fois? Première fois. Ouf! Il a réussi à te convaincre? C'est dans le contrat. Ah. Parce que dans le film Les pieds dans le vide, il y a beaucoup de parachutisme. Moi, ben, je vais être le consultant qui va pouvoir faire la liaison entre un film qui doit se tourner, entre une fiction et une réalité existante dans ce domaine-là, qui n'est pas toujours aussi simple qu'on peut l'imaginer. Ben, j'ai sauté avec Guillaume, premièrement, pour réussir à sentir c'est quoi de faire de la chute libre, premièrement. Puis c'était quoi cette sensation-là? Parce que souvent, dans le film, il revient de sauter ou il va aller sauter, il est tout le temps animé par ça. Donc, il y a eu des journées passées au centre de parachute à Guillaume, aller observer le monde, parler avec les sauteurs. Bonjour, je m'appelle Marc Ricard, je suis concepteur visuel sur Les pieds dans le vide. C'est un dossier que j'ai jamais touché dans le monde du parachutisme. Mon plus gros défi là-dessus, c'est de recréer toute l'ambiance, le côté amical, de l'adrénaline, mais le sentir dans le décor. Voilà, aujourd'hui, nous autres, on est en train de préparer le centre de parachutisme. Là, on est en train de faire la section restaurant et dortoir qui est en haut. Puis là, l'autre partie qui est ici, ça va être l'aire de pliage. Demain, je fais tailler la pelouse pour pouvoir savoir mes roulottes puis l'aire d'atterrissage. C'est notre spot. Bon, alors aujourd'hui, on est là pour faire les tests de dreads. On veut voir si ça me va bien d'avoir des dreads sur la tête. Alors, de toute façon, vous allez voir, c'est pas tellement long. C'est des professionnels qui font ça, puis on a l'appareil juste ici. Ça sera pas long. Ah! Et voilà! Allez! Je suis en répétition aujourd'hui avec les comédiens. Depuis le début du processus, en fait, depuis 2 ans, je travaille sur le film. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup, beaucoup à cœur, le fait de faire des répétitions avec les comédiens. Ça marche, c'est sûr que c'est une scène qui va être beaucoup dans la mise en scène, beaucoup dans le présent, les temps, sans regarder, puis tout ça, l'énergie marche. C'était une niaiserie, OK? Je t'avais rien promis, puis... Non. Non, Manu, moi, je suis plus là-dedans, ça fait longtemps. Je t'aime. Pour vrai. Si tu me donnes juste la moitié de toi, t'es mieux de rien me donner partout. Les comédiens sont bons. C'est vraiment beau. OK? C'est vraiment beau. Le début. J'ai des larmes aux yeux. Mais oui, je trouve ça super beau. Ben, Sam Bolduc a écrit le film. Donc, tous les deux, on était à notre premier long métrage. Donc, c'était une belle expérience à partager ensemble. Donc, ça a été un travail de 3 ans et demi. C'est un travail très, très long. Puis Claude m'a comme entouré, bien entouré pour apprendre, en fait, à écrire ce film-là. Je voulais vraiment un scénario de long métrage qui s'adresserait aux jeunes adultes
sais, la vingtaine, ceux qui sont au moment où ils sont adultes, puis en même temps, ils se posent énormément de questions sur la vie. On a déposé une fois, deux fois, on ne l'a pas eu. On a arrêté un an, puis on travaillait l'écriture. Donc, Vincent, c'est lui vraiment, c'est son projet, son bébé à la base. Parce que comme Marie-Lou est arrivée vite dans le processus puis qui est intervenue dans l'écriture en donnant des commentaires, puis qu'elle a toujours su respecter le fait que c'était moi le scénariste, c'est-à-dire qu'elle disait « Moi, je te donne des notes, mais c'est ton scénario, c'est ton histoire. » Puis même chose quand j'arrivais sur le plateau après, je disais « Moi, je te donne mon commentaire, mais c'est toi qui réalise, c'est toi qui le regarde. » On a tous les deux respecté notre travail en gênant pas pour nourrir l'autre, en écoutant les commentaires de l'autre. L'auteur est souvent mis de côté, je trouve, après qu'il a écrit son scénario. Puis moi, c'était vraiment important pour moi que Vincent soit content de ce que j'allais faire avec son scénario. Ce film-là, j'avais vraiment envie qu'on sente que peu importe les moments de notre vie où on a l'impression qu'on passera pas à travers ou qu'on n'a plus de repères, il y a toujours quelque chose à quoi nous raccrocher. Puis c'est exactement comme je me sentais en parachute quand je sautais. Puis j'avais l'impression que j'allais mourir dans une minute et demie parce que je me disais, ça se peut pas, je peux pas. C'est illogique ce que je suis en train de vivre là. Je peux pas m'en sortir vivant, là. C'est sûr que je peux pas m'en sortir vivant. L'ensemble en avion, c'est pas supposé être. Puis la façon que j'aborde peut-être le parachutiste, c'est peut-être plus poétique que sportif. C'est un peu ça le film, en fait. C'est beaucoup sur l'amitié, c'est beaucoup sur la mort, c'est beaucoup sur l'amour aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être avec quelqu'un? Il fallait arrêter ça. J'ai le droit de changer d'idée. C'est mon premier long métrage. J'ai jamais fait un tournage aussi long. Mon plus long tournage, je ne peux pas faire peur à l'équipe, c'est 4 jours. C'est le premier matin. Je suis très excitée, j'ai pas beaucoup dormi. Ça se place tranquillement. La première scène qu'on fait, c'est une scène dans le stationnement de l'hôpital. Alors, ben, bonne première journée, tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous. J'ai passé à travers mon premier film avec vous! Ah, ben merci! Ça se peut que j'ai certaines maladresses pendant tout le tournage. Veuillez m'excuser, c'est un manque d'expérience, mais on va tous faire ça ensemble et on va y arriver! Puis on sait qu'on bouge, puis on s'en va chercher l'action. Tôt le matin, je suis ici avant tout le monde. J'arrive à faire le tour de mon décor, à décider où est-ce que je vais mettre ma caméra, c'est quoi que je vais faire les mises en scène. Je marche les mises en scène comme si j'étais le personnage. Ça aide beaucoup, ça accélère vraiment le processus. Puis ça fait que je me sens bien, je me sens pas stressée. Alors, on a vraiment recréé un monde extrêmement réaliste. J'ai l'impression que les gens qui vont voir Les pieds dans le vide vont avoir l'impression de s'infiltrer carrément dans un univers et de le connaître à fond quand ils vont en ressortir. Ma relation avec Marie Wolfe, la réalisatrice, la merveilleuse Marie Wolfe, bon, c'est mon amoureuse. C'est mon amoureuse et c'est ma boss en même temps. Oh, palais qu'on est dans quelque chose d'assez délicat, là. Quoi? La confiance qu'il faut qu'il s'établisse entre le réalisateur et l'acteur, c'est une ligne très, 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 très fine. D'abord, l'acteur se donne, s'expose à une certaine vulnérabilité très présente lors du tournage. C'est-à-dire qu'on joue des émotions. Des émotions, pour que ça soit bon, il faut que ça soit vrai. Quand c'est vrai que quelqu'un a une émotion et qu'il se fait dire « c'était pas bon », c'est comme si tu te faisais dire l'intérieur de ta personne n'est pas bonne en ce moment. Bref, c'est pas ça que le réalisateur peut-être veut dire, mais c'est comme ça que l'acteur peut l'interpréter. Quand on fait un long métrage comme ça, surtout son premier, on a vraiment besoin d'alliés, on a besoin des gens très, très expérimentés autour de nous pour nous aider à mettre à l'image notre vision. Jérôme Sabourin, directeur photo. Moi, le directeur photo, c'est quelqu'un qui est là pour... C'est un interprète. C'est comme un acteur, le directeur photo. C'est pas quelqu'un qui est là pour faire son esthétisme à lui, mais plus l'esthétisme du film ou de l'histoire, raconter une histoire avec l'image.
mais toujours en passant par une directive qui vient d'une réalisation. Ensuite, j'avais l'enfilade, Raph en avant-plan, Manu dans sa voiture, tu sais, comme on voyait l'enfilade. Dans l'auto, ben, j'avais le Weaver, je me rappelle, mais c'est pas obligé, j'avais really laissé à ce casque, mais ça, la roue de la moto, so I'm glad to be a pour part le début of it. De scène. Mais tout ça peut se faire en un plan, juste là. Et puis c'est ça, Marie-Lou m'a présenté des images, toute une série d'images fixes, des photographies, sur lesquelles je me suis basé, moi, pour lui proposer des cadrages, pour lui proposer un éclairage, etc. Une fois la sauce, il n'y a pas beaucoup de bébites. D'habitude, là, pouf, c'est l'enfer. OK, c'est parti, attention. Ça, c'est bon. Première position, s'il vous plaît. Quand on saute d'un appareil à 13 000 pieds, on a 45 secondes. Mettons, on a 55 secondes de chute libre pour raconter une histoire avec une bonne prise de vue, avec une bonne distance, avec des bons mouvements, c'est extrêmement rapide. Il faut dire aussi qu'on est avec un gars qui s'appelle Joe Jennings, qui, lui, filme le parachute. Donc, comme directeur photo, et c'est ses shots qui sont les plus impressionnants parce que lui, vraiment, vole, fait du parachute avec les acteurs. My name's Joe Jennings, and I'm a free-fall cameraman. Professionally, as a camera flyer, for about 15 years. This project in particular, I really enjoyed it, honestly. I mean, and I've filmed quite a few things over the years. Air Force One, Charlie's Angels, Triple X. I mean, the list just goes on. The director, Mary Lou, is great. She knows what her vision is and she knows what she wants, and so my instructions with her are very clear. I know what I need to do, and I know what I need to do to make her happy, and that's my job here. In this movie, what's cool about it is that the way that Mary Lou is directing it, the people are real, you know. And that the skydivers are people that the audience can care about. And that's new, I think, in movies with skydiving. I think that's really new. And it's cool, so I'm glad to be a part of it. The primary camera that I jump with is a 35 millimeter camera. It's a very simple, very lightweight camera. When I'm filming, I look through this ring sight right here. So when I look through here, I can see exactly where the center of my frame is. Dans Les Pieds dans le vide, il y a eu une grande difficulté, c'est-à-dire un saut de base jump dans la ville de Montréal. Et le base jump, ça veut dire de sauter en bas d'un point fixe. Alors, un pont, une antenne, une falaise, un édifice. Le base jump, c'est une très, très grosse cascade. Et autant au niveau dans l'organisation, la coordination, ça a pris un mois et demi à convaincre le service de la police, les ambulanciers, les pompiers, le bureau du cinéma qu'on pouvait faire un base jump et de façon sécuritaire. Et on a pu avoir l'autorisation pour aller sauter en plein centre-ville de Montréal, bloquer à peu près 6 rues, sauter en bas d'un édifice, quelque chose qui est complètement illégal au Canada. On essaye de faire 2 sauts si possible pour couvrir tout ce qu'on veut au niveau de la dramatique dans les sauts. Les personnes qui définissent si on fait 1 ou 2 sauts, évidemment, c'est les base jumpers, c'est les gars qui se jettent dans le vide. Les boys, on monte sur le toit, comment vous sentez avant votre saut?
Je vais dire ça, 103 de pulsations cardiaques. Bertrand Cloutier, base jumper, 1016 sauts de base jump, 2500 en parachute. C'est moi, Martin Dumas, cascadeur pour le film Les pieds dans le vide, qui a doublé Guillaume Lemaitre-Vierge sur le saut de la Tour de la Bourse. Plus de 3000 sauts en parachute, peut-être 500 base jump dans une quinzaine de pays. Ici, c'est autour de 185 mètres, 610 pieds. Non, j'ai quelques sauts d'édifice à Montréal. Ce serait un des premiers sauts autorisés. Hein. Quel genre de profil on doit avoir pour faire du base jump? C'est quelque chose qui n'est pas vraiment déterminable. Évidemment, il faut avoir le goût d'apprivoiser sa peur, de bien la comprendre, la maîtriser, puis de même s'amuser avec elle. C'est surprenant, là, l'espèce de stress qu'on a avant, puis quand le saut arrive, qu'on a l'équipement sur le dos, puis qu'on a les orteils dans le vide. Les gars, je suis avec vous. C'est plus important votre vie que la chute. C'est fabuleux ce qui se passe. C'est comme une pression intérieure qu'on vit, tout ça, qui vient nous chercher fort. Puis quand vous voyez dans le film, on fait une espèce de décompte, le 5, 4, 3, 2, 1. Bon, ben, c'est un peu un outil, ça, pour outrepasser cette espèce de barrière-là, parce que c'est bien sûr que n'importe quel humain qui est sur le bord de la bâtisse n'aura pas le goût nécessairement de se tirer en bas sans savoir qu'est-ce qu'il y a après. C'est comme si le temps arrête, puis il y a des images qui arrivent dans la vie, là, qui restent marquées. Et il y a un sentiment de bien-être dans cette section-là. Puis tout visuellement, les autres sont à côté, la bâtisse qui passe en arrière de nous. Absolument fabuleux. Mais là, le parachute y ouvre, puis là, on retombe dans un mode de performance où il faut conduire le parachute à travers les bâtisses, les lampadaires, les arbres. Puis finalement, on se pose en douceur dans la rue. Puis on dirait que toute la pression de performer s'effronte instantanément. Et toute la chimie nous monte au cerveau. Puis c'est là qu'on se fait donner une bonne ride, là, que moi j'appelle l'overdose de bonheur. Ben, ça a été fou, les pieds dans le vide. Je veux dire, j'ai jamais vécu ça de ma vie, puis je pense pas que ça va se reproduire de si tôt. On avait toute envie d'être là. Pour Vincent, avoir les pieds dans le vide, c'est avoir écrit une histoire, puis pas savoir comment le monde va la prendre. Pour moi, avoir les pieds dans le vide, en fait, j'avais pas le droit d'avoir les pieds dans le vide. Avoir les pieds dans le vide, c'est perdre le contrôle. Et avoir les pieds dans le vide, c'est d'accepter et de prendre tout le plaisir de perdre le contrôle. On a tous, un jour ou l'autre, eu les pieds dans le vide. Peut-être que dans mon cas, c'était sur le tournage, des pieds dans le vide. En terminant, c'est quoi pour moi les pieds dans le vide? Plus beau plateau de ta vie! Ça a été le plus beau plateau de ma vie. Premier assistant réel, Pascal, il me dit oh, dis donc, ça prend quand même du culot là, d'écrire ça pour un premier film. J'ai dit ben non, ça prend beaucoup d'innocence, de naïveté.
faut être innocent, parce que je pensais pas que c'était si gros, moi. Les pieds dans le vide, dans le fond, c'est... Les pieds dans le fin... On a travaillé une maudite shot. Je vais aller me coucher après.